tout est possible. All things are possible. Amen, amen. Amen. Et je crois qu'on va commencer par Jérémie 29. I believe we'll start in Jeremiah 29. Préparez-vous, nous allons parler de grandes choses. Get ready, we'll talk about great things. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons parler de grandes choses. We'll talk about great things. Jérémie 29 de 11 à 14. Jeremiah 29 from 11 to 14. Et après nous lirons dans Ecclésiastes 1, 9 à 11. After that we're reading Ecclesiastes 9:11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix après, nous et non de malheur. Ecclésiastes 1, 9 à 11. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez. Et quand je connais le projet que j'ai formé vous sur vous, prierez, dit l'Éternel, et je vous exaucerai. Hey, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous me prierez et je vous exaucerai comme il vient de nous exaucer. Amen, amen. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not evil, to give you an expected end. Then shall you call upon me, and you shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And you shall seek me, and find me, when you shall search for me with all your heart. And I will be found of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all nations, and from all the places whither I have driven you, saith the Lord. And I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. Ecclésiaste chapitre 1er. Ecclesiastes chapter 1. Nous lisons de 9 à 11. We read from 9 to 11. Ecclésiaste 1, 9 à 11. Ecclesiastes 1, 9 to 11. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. The thing that hath been is that which shall be, and that which is done is that which shall be done, and there is no new thing under the sun. Is there anything whereof it may be said, see, this is new? It hath been already of old time, which was before us. There is no remembrance of the former things, neither shall there be any remembrance of things that are to come with those that shall come after. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Lord Almighty God, nous avons lu ta parole. We just read your word. Tout le monde peut lire. Everyone can read, mais l'interprétation ne peut venir que de toi. Can only come from you. Ainsi Jésus, so Jesus, ôte-nous du chemin. Take us out of the way. Ôte ce que nous pouvons dire de nous du chemin. Take away what we can say of ourselves. Permets maintenant, Seigneur, and now allow, Lord, que ce soit ta parole. That it may be your word. Rien que ta parole. And your word alone. Pas ma pensée. Not my thoughts. Pas ma pensée, Seigneur. Not my thoughts, Lord. Mais utilise-nous, Seigneur, but use us, Lord, comme des simples micros. As simple microphones. Mais que toi tu sois la voix derrière le micro. That you may be the voice behind the microphone. Que ce peuple qui est venu, that these people that came, sorte d'ici béni, may come out of here blessed, et réconforté, and comforted, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut arrêter les synthétiseurs, s'il vous plaît? Vous voyez que nous avons vraiment besoin d'un synthétiseur. You see, we truly need a synth. Quand on arrête, le bruit s'arrête aussi. When we stop, the noise stops also. Nous en avons vraiment besoin. We truly need it. Nous avons besoin que vous puissiez donner ce que vous avez. We need you to give what you can. Pour que nous puissions le faire. So we may do it.
Alors que Dieu bénisse chacun de nous. So may the Lord bless each and every one of us. Le temps est vraiment avancé. The time has gone very fast. Je vais faire tout pour aller un peu très vite. So I'm going to do everything to go really fast. Le vendredi on était ici. Friday we'll nous avions parlé de l'amnésie spirituelle. We talked about spiritual amnesia. De comment les chrétiens ont oublié ce qu'ils sont. Of how Christians have forgotten what they were. Et nous ne devons pas oublier ce que nous sommes. We don't need to forget what we were. Et nous ne devons pas oublier pourquoi nous venons à l'église. And we can't forget why we come to church. Le but pour lequel Dieu nous a envoyé sur la terre. The goal why God sent us on earth. Manifester Jésus. It's to manifest Jesus. C'est pour manifester la parole. It's to manifest the word. Et après cela, and after that, nous rentrerons vers Dieu. We'll come back to God. Et hier nous étions ici. Yeah, we were here yesterday. Nous avions parlé de c'est le temps de conquérir. We talked about its conquering time. Qu'est-ce que nous avons? What do we have? Ce que nous devons faire avec ce que nous what avons. What must we do with what we have? C'est ce que Dieu s'attend de that's nous. What God is waiting for. Et nous avions dit ceci. And we said this. Que c'est le temps d'éviter toutes les distractions. It's time to avoid all distractions. Parce que quand Dieu t'a appelé, because when God called you, Dieu t'a sauvé. God saved mais you. Mais tu dois comprendre. But you need to understand. Que le diable ne sera jamais content. The devil will never be happy. C'est pour cela que le diable amènera toujours des distractions. That's why the devil will always bring distractions. Sur le chemin. On the road. Et c'est à toi de veiller. It's up to you to watch. Parce que la Bible because the Bible says à celui qui vaincra, to him that overcometh. So you need to fight. Et Dieu aussi, and God also est en train de former un caractère, is forming a character in you. Donc, quand quelque chose se fait dans la so vie, when something happens in your life, ne vois pas directement le diable. Don't look at the devil directly. Vois d'abord ce que Dieu veut former en toi. First see what God wants to shape through you. Parce que Dieu doit former quelque because chose. Because God needs to shape you. Si toi, tu n'es pas encore patient, if you're not patient yet, Dieu enverra toujours des situations qui te pousseront jusqu'à ce que tu auras la God will also always bring situations that bring you till you have patience. Si tu n'as pas la tempérance, if you don't have temperance, toutes les situations qui viendront dans ta vie, all the situations that will happen in your life, pousseront jusqu'à ce que tu aies la tempérance. Will push you until you get the temperance. C'est comme cela que Dieu nous forme. That's how God forms us. Quand tu auras la tempérance, so when you have temperance, quand tu auras la patience, when you have patience, quand tu auras ce dont Dieu veut que tu aies, when you have what God wants you to have, c'est alors que ces choses-là partiront de that's ton chemin. That's when these things will go out of your way. Donc c'est Dieu qui te forme it's dans quelque God chose. It's God that's shaping you in something. That's why in everything that happens, pas d'abord le diable. Don't look at the devil first. Vois d'abord Dieu. First see God. C'est Dieu qui a permis. It's God that allowed. Aucun malheur ne peut venir dans ta vie. No evil can come to your life. Sans que lui en soit l'auteur. Without him being mais the author. Si lui est l'auteur. So if he's the author, comprends ce que Dieu veut t'enseigner. Then understand what God wants to teach you. Quand tu auras la chose, when you'll have it, tu vas vaincre le test. You'll overcome la vie the test. De chaque jour, the life of every c'est day la vie de combat. Is a life of battle. Nous combattons jusqu'à ce que Jésus we'll fight until Jesus comes back. Sans combat, without a fight, tu n'as pas à vaincre. You don't have to overcome. Mais tu dois vaincre. But you need to overcome. Mais tu dois savoir aussi you need to know also que celui-là qui t'envoie de combat, that the one that sent you to fight, il est celui qui t'aide aussi à vaincre. Is also the one that helps you to overcome. Il marche avec toi. He walks with you. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a dit. It's not for nothing that he je said. Je serai avec toi. I'll be with you. Et même en toi. Even in you. Jusqu'à la fin. Up until the donc end. Il est toujours là. So he's always donc there. Donc faisons-lui confiance. So let's trust him. Et quand nous lui faisons confiance, when we trust him, nous aurons la victoire. We have the victory. C'est ce que nous avions vu hier. That's what we saw yesterday. Et aujourd'hui, and today, un peu très vite, nous allons parler sur j'ai trouvé. Real fast, I want to talk about I have found. Eureka. Eureka. J'avais promis. I promised. Et nous allons parler sur Eureka. We're going to talk about Eureka. J'ai trouvé. I have found. Nous allons découvrir ce que nous avons trouvé. We're going to discover what we found. Eureka. Eureka. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Est-ce qu'on peut démarrer? Can we go? Je n'entends pas. Est-ce que je peux démarrer? I said, can I start? Mets la main. Amen. J'ai trouvé. I have found. On trouve quelque chose. We find something. Quand on la cherche. When we look for it. Il faut d'abord chercher pour trouver. First you need to look to find. Beaucoup ont cherché différentes choses. A lot of people look for different things. Et on peut trouver. But we can find. Et la Bible dit. The Bible says, que celui qui cherche, the one that seeks trouve. Shall find. Ça, c'est Matthieu 7, 8. That's Matthew 7, 8. Celui qui cherche, trouve. The one that shall seek shall find. Il y en a qui ont cherché aussi. There's also others that seek à se marier. To get married. Ils sont allés prier. They went and prayed. Ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé. They found what they found. Moi, j'ai toujours dit. I've always said, moi aussi, j'avais prié. I also prayed. J'ai cherché à me marier. I looked to get married. Et Dieu priait. So when I prayed, j'ai trouvé. I found. Amen. Amen. J'ai mon épouse qui est ici. I have my wife that's there. J'ai trouvé ce que je cherchais. I found what I was looking for. Donc quand tu cherches, so when you seek, tu dois trouver. You shall find. Est-ce que jusque là vous êtes avec moi? Are you with me till now? Notre père Adam
aussi avait cherché. Father Adam also looked. Après avoir nommé toutes choses, after naming everything, il avait trouvé qu'il était seul. He found himself to be alone. Oh, il était triste. He was sad. Et dans sa tristesse, and in his sadness, Dieu a regardé. God looked. Dit, oh. And he said, j'ai trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. I find that it's not good for man to be alone. Comment est-ce qu'il est triste? You see how sad he is. Alors je lui ferai une aide semblable à lui. So I will make an help meet c'est for him. C'est ainsi que Dieu avait fait Ève. So that's how God formed et Eve. Et Dieu a envoyé Ève vers Adam. And God sent Eve to Adam. Et quand Adam s'est réveillé de son sommeil, Adam woke up from his sleep, il a regardé. He looked. Comme il avait déjà cherché. Since he already looked for it. Il ne le trouvait pas. And didn't find it. Alors Adam a dit, so that Adam said, voici cette fois-ci. Behold, now this. On ne peut pas dire voici cette fois-ci. We can't say behold now si this. Si on n'a pas d'abord cherché if avant. If we haven't looked before. Il n'avait pas trouvé. So he didn't il find. Dit, voici cette fois-ci. He said behold now this. Ce qui est os de mes os. Is bones of my bones. Et chair de ma chair. And flesh of my flesh. Il s'est réveillé avec une révélation. He woke up with a revelation. Dieu avait fait l'opération. When God did his surgery. Lui n'était pas là. He was not there. Mais il s'est réveillé avec la révélation. But he wakes up with the revelation. Lui s'endormait. He was asleep. Il ne savait pas ce qui se faisait. He didn't know what God was doing. Quand Dieu est déjà terminé. When God was already done. Il réveille Adam. He wakes up Adam. Voici cette fois-ci. He said behold now cette this. Qui est os de mes os. Bones of my bones. And flesh of my flesh. Il directement donné le nom. He gave her the name immediately. Femme. He said, we'll shall call her woman. Et lui-même donne la réponse. And he gives the answer himself because elle est venue de l'homme. She was taken out of the man. Est-ce que vous êtes avec are moi? You with me? Donc la femme est venue de so the woman cup was taken out of the man. Adam a cherché, il a trouvé. Adam looked and he found. Si toi aussi tu cherches, tu trouveras. If you look also, you will find. Là, nous parlons de la vie. There we're just talking about life. Mais parlons d'autres choses. Now let's talk about some other things. Parlons un peu des mages. Let's talk about the three wise men. Les mages. The wise men. Qui sont allés voir Jésus quand il est né. That went and looked at Jesus when he was born. Ils ont été divinement avertis par Dieu. They were divinely warned by God. Que Dieu était sur la terre. That God was on earth. Dieu les a avertis. God warned them. Qu'il était venu sur la terre. That he has come on earth. Et ils devaient aller pour voir. And they needed to go see. Ils devaient chercher. They looked. Et aller trouver. And they went to find. Est-ce que vous êtes avec moi jusque là? Are you with me till now? Alors ils ont eu la révélation. So they had a revelation. Comme Dieu est venu sur la terre. Since God came on earth. Nous devons chercher des présents. We need to look for presents. Qui peuvent identifier ces dieux. That can identify this God. Ils sont allés chercher le présent. They went to look for these presents. Ça ce n'est pas là où nous sommes. That's not where we are at. Mais ils devaient aller pour trouver l'enfant. But they need to look for the child. Bien que les présents identifiaient cet enfant. Even though the presents identified the child. Ils avaient été avertis divinement. They were divinely warned. Mais ils ne savaient pas là où cet enfant là était. But they didn't know where that child was. Ils devaient être conduits. They needed to be guided. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Ils devaient être conduits. They needed to be guided. Et Dieu aussi. And God also. Mais quand Dieu commence quelque chose. When God starts something. Dieu n'arrête pas cela en chemin. God doesn't stop it halfway. Quand Dieu a commencé quelque when chose. When God started to work. Dieu amène cela jusqu'à la fin. God brings it to the end. Et voilà que les mages. So now the wise men. Ils devaient aller voir l'enfant. They needed to go see the child. Dieu a envoyé l'étoile. God sent them a star. Pour que l'étoile. So that the star. Puisse les diriger. To guide them. Jusqu'à là où l'enfant se trouvait. To where the child was. Est-ce que vous êtes avec moi jusque là? Are you with me till now? Et je vais vous dire ceci. And I want to tell you this. That star. Était passé au-dessus tous les observatoires. Went above all the observatories. Mais personne d'autre ne pouvait voir l'étoile. But no one else saw the star. L'étoile circulait. The star was going up. Personne ne pouvait voir l'étoile. And no one saw the star. Qui devait voir l'étoile? Who needed to see the star? Seulement ceux-là qui étaient prédestinés. Only those predestinated. À retrouver cette étoile là. To find that star. L'étoile passait à l'air. The star was in the air. Tout le monde pouvait regarder. Everyone looked up. Mais rien voir l'étoile. But never saw the star. Seulement ceux-là. Only those. Qui ont été prédestinés. That were predestinated. Par Dieu. To God. À voir cette étoile. To see that star. Frères et sœurs. Brothers and sisters. Et vous le savez. You know. Que l'étoile. That the star. Représente toujours le messager. Always represents a messenger. Et leur envoyait le messager. And God sent them a messenger. Pour que le messager les conduise. That the messenger should guide them. Jusqu'à là où le fils était. Up to where the son was. Et le messager. And the messenger. Ne peut pas vous conduire ailleurs. Can't lead you anywhere le else. Ce qui est venu de Dieu. The messenger that comes from God. Est envoyé par Dieu. That's sent by God. Vous conduirez vers Jésus Christ. Will send you to Jesus Christ. Tu me poseras la question. Are you asking the question? Est-ce qu'il peut se faire? Can it be?
que les autres puissent voir, that others are seeing, et que d'autres ne voient pas, and others don't see it, que les uns voient, que les autres ne voient that pas, some see it and others oui, don't. Ça peut se faire. Yes, it can happen. Ça peut se faire. It can happen. Mais comment toi tu reconnais le message de But l'heure? How do you recognize the message of the hour? Les autres ne reconnaissent pas ça. Why don't others recognize it? Est-ce qu'il peut se faire que moi je puisse reconnaître ça? Can I be that I recognize it? Et que les autres ne puissent pas reconnaître. And others don't recognize it? Le frère Branham me dit. Brother Branham says. Dans comment l'ange est venu à moi? And how the angel came to me? Au paragraphe 277 jusqu'à 279. Paragraph 277 to 279. Comment l'ange est venu à moi? How the angel came to me? 277 à 279. C'est prêché le 17 janvier 55. January 17, 1955. Il dit, vous dites, est-il possible que la voix et que moi je ne la vois pas? Is it possible that they see it and I don't see it? Il dit, oui, monsieur. He said, yes, sir. Cette étoile, that star, que les mages ont suivi, that the wise men followed, elle est passée au-dessus de tous les observatoires, went above all the observatories. Personne d'autre ne l'a vu. No one else saw it. Seulement eux. Only them. Ils ont été les seuls à le voir. They were the only ones to see it. Il dit, Élie était là. Elijah was there. Il regarde. He was looking around. Les chars de feu. All the chariots of fire. Et tout le reste. And all the rest. Et Gehazi regardait partout. And Gehazi looked everywhere. Vous êtes avec moi? Are you with me? Gehazi regardait partout. Gehazi looked everywhere. Il ne pouvait le voir nulle part. And could not see him anywhere. Dieu a dit, God said, Dieu, open his eyes. Pour qu'il voie. So he could et see. Là, il les a vus. And then he saw them. Vous voyez? You see? Par contre, for others, c'était, par contre, otherwise, c'était un bon garçon. He was a good boy. Il était là. He was there. Il regardait partout. He was looking everywhere. Mais il ne pouvait pas le voir. But he could not see them. Certainement. Certainly. Il est donné à certains de voir. It's given for some to see. Et à d'autres pas. And for others not to see. Il dit c'est vrai. He said that's true. Il est donné à certains de voir. It's given for some to see. Et à d'autres pas. And some not to see. Tu peux être bon. Maybe you can be a tu good man. Tu peux être parfait. You can be a perfect tu man. Paraître saint. You could appear to be holy. Mais si tu n'avais pas été prédestiné, but if you were not predestinated à voir la chose, to see the thing, tu ne verras pas la chose. You will never see the thing. Il est donné à ceux-là. It's given to them. Ils ont été prédestinés. They were predestinated. Et ceux-là, and them, Dieu les connaît. God knows them. Dieu connaît ceux-là qui doivent voir. God knows them that need to see. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Can somebody say glory to God? Quelqu'un peut dire merci Seigneur? Can someone say thank you Lord? Quelqu'un peut dire alléluia? Can someone say hallelujah? Il est donné à certains de voir. It's given for some to see. Et à d'autres non. And for others not to. Vous pouvez prêcher. You can preach. Quelqu'un vient à l'église pour la première fois par exemple. Someone comes to church for the first time. Il peut y avoir 10 personnes qui sont là. Maybe it could be 10 people there. Ils sont nouveaux. And they're new. Mais vous parlez des corbeaux, des aigles. But you talk about eagles and crows. And one person goes out of the church. On m'a appelé corbeau. Oh, they call me a crow. Mais qui t'a appelé corbeau? But who called you a crow? Mais l'autre s'est dit, but the other one says, mais moi je me retrouve dans les aigles. But I find myself an eagle. Il a donné à certains de voir. There's some to see. Et d'autres pas. And some not to see. Ceux qui voient. Those that see. Ce sont ceux-là que Dieu a prédestinés. Are those that God predestinated. Avant la fondation before du monde. The foundation of the world. Et je crois. And I believe. Je crois. I believe. Que vous êtes de ceux-là. That you are it. Que Dieu a prédestiné. That God predestinated. Before the foundation of the world, to recognize that star. And I said this, that the star always represents a messenger. Vous êtes avec moi jusque là? Are you with me till now? Dieu avait dans sa main sept étoiles. God has in his hand seven stars. Et les sept étoiles, and these seven stars représentent les sept messagers, represent the seven messengers, les sept âges de l'église, for the seven church ages. Et pour chaque âge, and for every age, God envoyer. Had a star that he needed to send. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Lisez de la marque de la bête au paragraphe 205. Read in Mark of the Beast, paragraph 205. Brother Branham speaks Dieu avait sept étoiles dans sa main. God had five stars in his hand. On y arrivera. We'll get there. Remarquez encore. Notice again. Il y avait un autre homme qui avait été averti. There was another man that was warned. C'était Simeon. It was Simeon. Il lui avait été dit. It was told him that tu ne mourras pas. You will not die. Sans avoir vu le Christ du Seigneur. Without seeing the Christ of the Lord. Simeon était dans le temple. Simeon was in the temple. Il fréquentait le temple. He went often to the et temple. Et cet temple là. And that temple. Tous les sacrificateurs allaient là-bas. All the priests went over there. Et tous ces gens-là allaient là-bas. And all the people went over there. Tout le monde
allait dans le temple. Everyone went to the temple. Simeon aussi allait dans le temple. Simeon also went to the temple. Mais un jour, but one day, Simeon est entré dans le temple. Simeon entered the temple. C'était un jour un peu différent. It was a little different day. Un jour compliqué. A complicated day. Il est allé. He went. Il avait sa chaise. He had his seat. Il s'asseyait dans le temple. He sat down in the temple. Tous les autres. As all the rest. Il est entré dans le. He got in the temple. Il s'assoit dans le. He sat down in the temple. C'était un jour très différent. It was a very different day. Et quand on amenait l'enfant Jésus, so when they brought him the child Jesus, tout le monde était là. Everyone was there. Les sacrificateurs étaient là. The high priest was there. Les scribes étaient là. The scribes were there. Ils voyaient l'enfant venir. They saw the child coming. Mais personne d'autre. But no one else. N'avait la révélation. Had the revelation. Je sais que cet enfant-là était. That what that child was. En dehors de Simeon. Other than Simeon. Il lui avait été dit. Simeon was told. Il ne devait pas mourir. That he will not die. Avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Before seeing the Christ of the Lord. Il était assis dans and that day he was sat in the temple. Il pouvait être là en train de chanter. Maybe he was there singing. Il pouvait être là en train de chanter. Maybe he was there singing. Nous attendons la venue de Jésus. We're waiting the coming of Jesus. Dieu doit descendre lui-même dans son temple. Or God needs to come down himself in the temple. Son peuple. And receive il his people. Chanter comme he les could autres. Sing like everyone else. Mais du coup, but all of a sudden, we see Simeon stand up. Oh! Qu'est-ce que je vois? What do I see? Simeon sursaute. Simeon stands up. Qu'est-ce que je suis en train de voir? What am I seeing here? Il court très vite. He runs very mais fast. Les sacrificateurs étaient là. But the high priest were there. Pourquoi les sacrificateurs n'ont pas vu? Why didn't the high priest see it? Ils n'ont pas été prédestinés. They were not predestinated à voir la chose. To see the thing. Mais Simeon, but Simeon a regardé à l'enfant. Looked to the child. Directement. And directly. Il était dans la pensée de Dieu. He was in the mind of God. Avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Recognize that child. No matter what could happen to him, comme il avait la promesse, since he had the promise, il n'allait pas mourir, he would not die avant d'avoir vu le Christ, before seeing the Christ, rien ne pouvait le tuer. No, nothing could kill him. Jusqu'à ce qu'il voit le Christ du Seigneur. Until he saw the Christ of the Lord. Et là dans le temple, and there in the temple, il a vu le Christ du Seigneur. He saw the Christ of the Lord. Et il a tenu à l'enfant. So when he held the child, tout le monde regarde. Everybody looked. Personne ne voyait ce que no cet one saw what that child was. Personne. No one. Il a tenu à l'enfant. He held the child. Oh, Seigneur. He said, Lord, Eternel, eternal laisse one, ton serviteur. Let your servant s'en aller en paix. Depart in peace. Dans mes yeux. For mine eyes ont vu le salut d'Israël. I've seen the glory of the laisse Lord. Ton serviteur s'en aller en paix. Let your servant les gens pouvaient depart le traiter in peace. De fou. Many people could say he was les crazy. Le pouvaient le traiter de maladie maybe mentale. Could say, people say mais he had a mental disease. Pas là. But he was not there. Son problème, his problem. Il devait voir le Christ, he Seigneur, needed to see the Christ of the Lord. Before his departure. Et j'ai toujours dit, and I've always said, aussi, I also, aussi, I also, même si tu pouvais te retrouver dans un avion, even if you find yourself in a plane, l'avion a crashé, and the plane crashed, tu n'allais pas mourir, you won't die, même si tu étais dans le bateau, even if you're in a plane, le in a bateau boat, t'a viré, and the boat went down, tu n'allais pas mourir, you won't die, même si tu avais fait un accident even mortel, if you made a deadly accident, tu n'allais pas mourir, you will not die. Pourquoi? Why? Because God predestinated you to recognize God predestinated you to find the Christ of the Lord. What is the Christ of the Lord? It's the message of the hour. The message of the hour. As long as you were not in this message, you would not die. Est-ce que tu me crois? You believe me? Mais c'est comme si tu n'es pas avec moi. It's not like you are with me. C'est comme si tu n'es pas avec moi. It's like you're not with me. Que tu comprends ce que you understand what I'm saying? Mes frères, vous comprenez ce que brother, sister, you understand what I'm saying? Mais je ne vois pas cela. I don't see it. Si seulement tu étais dans la pensée de Dieu. Truly you were in the mind of Christ. Tu n'allais pas mourir. You would not die. Même si even if tu avais rencontré un lion, you met up with a lion, le lion n'allait pas te tuer. The lion could not kill you. Est-ce que vous voyez l'importance d'être dans le message? Do you see how important it is to be in this message? Qui voit l'importance de se retrouver dans le who message? Who sees how important it is to find himself in this message? Tu n'allais pas mourir. You would not die. Quoi? Why? Tu devais voir le message. You needed to see the message of the tu hour. Tu devais voir les promesses you de l'heure. You needed to see the promise of the tu hour. Tu devais voir les promesses du jour. You needed to see the promise of the day. Tu devais rencontrer la chose. You needed to meet the thing. Est-ce que tu es avec moi? Are you with me? Est-ce que tu es avec moi? Are you with me? Pourquoi est-ce que Simon était le seul? Why was Simeon the only one retrouver to find? Parce que la révélation because revelation est individuel. Is individual. Vous savez quoi? You know what?
Ne regardez pas au pasteur. Don't look to the pastor. La révélation, revelation, individuel, is individual. Le chemin du ciel, the way to heaven, c'est l'individu qui va au ciel. The individual goes to heaven. Ce n'est pas le groupe de gens qui va au ciel. It's not a group of people that goes to heaven. Non, c'est toi qui va au ciel. It's you that's going to heaven. Et c'est moi qui vais au ciel. And it's me that's going to heaven. Si on dit que deux personnes seulement seront enlevées, if they say only two people will be raptured, place-toi dans ces deux personnes. Place yourself among those two. Si on dit que une seule personne if they say only one person will be raptured, dis-toi que moi je suis tell yourself I'm the only one that's going to be raptured. Don't look to the other. Ne regarde pas au pasteur. Don't look to the pastor. La révélation, the revelation c'est entre toi et Dieu. Is between you and God. Dieu peut te révéler cette chose, God can reveal something et to you ne me l'a pas révélé. And not reveal it to me. C'est ta révélation. It's your revelation. Marche avec la révélation. Walk with the revelation. C'est pourquoi chaque jour de notre that's vie, why every day of our life prier pour la révélation. We need to pray for the revelation. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Je ne sens pas que vous êtes là. I don't feel like you're with me. Je ne sens pas que vous êtes là. I don't feel like you're with me. Je dis chaque jour. I said every day de notre vie, of our life. Nous devons prier pour la révélation. We need to pray for the revelation. La révélation, revelation est individuelle. Is individual. Et quand Dieu t'a révélé and when chose, God reveals you something, accroche-toi à ce que Dieu t'a révélé. Hold on to what God revealed to you. Peu importe ce que le monde no matter what the world says. Peu importe ce que l'autre peut no dire, matter what the other one can toi, say. You accroche-toi à ta révélation. Hold on to your revelation. Le chemin du ciel, because the way to heaven is by revelation. Et Dieu t'a révélé. If God revealed to you, et toi, tu vas au ciel, that you will go to heaven, accroche-toi à cette révélation. Hold on to that revelation. Et quand tu t'accroches ça, and when you hold on to it, pour d'autres qui n'ont pas été révélé, à qui la chose n'est pas révélée. Pray for those that who had not received the revelation. Are you with si me? Chacun de nous, if each one of us, marcher avec la révélation que Dieu nous donne, walk with the revelation God gives us, et prier pour les autres, and pray for others, nous n'aurons jamais de problème. We'll never have any problem. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Nous n'aurons jamais de we'll problème. Never have any problem. Parce que Dieu t'a révélé because à toi. God revealed it to you. Il ne m'a pas révélé. He didn't reveal it to me. Moi, je ne dois pas poser un problème. Don't need to make quand it a problem. Quand toi, tu as reçu la chose. When you receive the thing. No. No. Je dois prier. I need to pray. Que Dieu me révèle à moi. That God reveals it to me et too. Et quand j'aurai la chose. And when I'll have the thing. Nous marcherons toujours pas à pas. We'll always walk. Toi, tu pries pour moi. Step by step, you pray moi, for si me. Je, tu I also que pray Dieu for you. For et you Dieu return. Le fera. And God will do it. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Someone say glory to God. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Thank you, Lord. Tu peux saluer la personne à can you côté? Greet the person next to you? Dis-lui, reçois la révélation individuellement. Tell him, receive the revelation individually. Reçois la révélation individuellement. Receive the revelation individually. Reçois la révélation individuellement. Receive the revelation individually. Reçois la révélation individuellement. Receive the revelation individually. Alléluia! 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Can we clap for the Lord? Quelqu'un peut pousser les cris de joie pour la gloire de Dieu? Can someone give shouts of joy for the glory of God? La révélation est individuelle. The revelation is individual. Alors ne fais pas un problème. So don't make it a problem. Si l'un a reçu la chose, if one received the thing, que toi tu l'as pas, and that you have not received it yet, ne pose pas un problème. Don't make it a problem. Marche ensemble. Walk together. Au temps de Dieu. In a God's time. Nous avons toujours dit. We've always said. In His time. In His time. Dans son temps. He make all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you teaching me your way that you do just what you say in your time. C'est ce que la chanson dit. That's what the song means. En son temps. In His time. La révélation. Revelation. C'est au temps de Dieu. Is in God's time. Dieu te révélera la chose. God will reveal it to you. Est-ce que Dieu t'a déjà révélé? Has God revealed to you yet? Que tu es son fils ou sa fille? That you're His son or His daughter. Est-ce que tu as déjà reçu cette révélation? Have you already revealed that revelation? Est-ce que Dieu te l'a révélé? Did God reveal that to you? Alors, si Dieu then, te l'a révélé, if God revealed that to you, il ne faut plus pleurer. Then you shouldn't cry anymore. Un fils du roi, a son of a king, va pleurer, will cry. Je n'ai jamais vu. I've never seen that. Une fille du roi, a daughter of a king, va pleurer, will cry. Je n'ai jamais vu. I've never seen it. Si Dieu te l'a réellement révélé, if God truly revealed that to you, accroche-toi à cette then hold on to that revelation. Marche avec la révélation. Walk with the revelation. Tout est possible pour toi. All things are possible tu for you. Tu recevras tout ce dont tu as you besoin. You receive everything that you ask. Tu es un fils du roi. Because you're a son of a king. Tu es une fille du roi. You're a daughter of a king. Reçois cela par la révélation. Receive it by revelation. Pas parce que moi je l'ai dit. Not because I say it. Non, je ne peux pas faire de toi un
fils de Dieu. No, I can't make you a son of God. Je ne peux pas faire de toi une fille de Dieu. I can't make you a daughter of God. Mais reçois par la révélation. But receive it by revelation. Et marche avec la révélation. And walk with the revelation. Peu importe ce que le monde peut dire. No matter what the world can say. Le monde peut bouger autour de toi. The world can shake around me. Je suis un fils du roi. I'm a son of a king. Je suis un fils du roi. I'm a daughter of a king. Tu seras comme ce noir là. You'll be like that black man. Oh, alléluia. Alléluia. Qui était un fils du roi à partir de l'Afrique. That was a son of a king in après Africa. Captif aux États, captif aux États-Unis. And he was enslaved here in America. But he knew who il he was. Avec le Majunda. He walked with pride. Bien qu'il était esclave, even though he was a slave. Nous sommes dans ce monde. We're in this world. Nous souffrons. We suffer. Comme des esclaves. Like slaves. Bien que nous ne le sommes pas. Even though we're not mais them. Quand je reconnais but when I recognize que je suis un fils du roi, that I am a king of a king, avec le I need to walk with pride. Peu importe la situation sur mon chemin. No matter what the situation je is in my way. De cela. I don't care about je it. Suis un fils du roi. I'm a son of a king. Je suis une fille du roi. I'm a daughter of a king. Le fils du roi. I'm a son of a king. Dans la joie chaque jour. Always needs to be happy. Ça dépend pas des circonstances. It doesn't depend on the circumstances. Ça dépend pas des problèmes. It doesn't depend on the problem. Ils sont toujours contents. They're always happy. Ils ont reconnu leur because they recognize their identity. Ils ont reconnu leur identité. They recognize their identity. Tu es un fils du roi. You're a son of a king. Lève-toi sur ta pied. Stand up on your feet. Je suis un fils du roi. Tell yourself I'm a son of a king. Lève-toi, dis je suis un fils du roi. I said stand up and say I'm a son of a king. Que la chaise ne puisse pas te coller. Let not the seat hold you down. Un fils du roi. A son of a king. On lui montre son identité. That shows his identity. Et tu es comme ça. And you're like this. No. No. Quand me montre mon identité. When I show my identity. Je sais qui je suis. I know who I am. Je sais que je peux défier le diable. I know that I can defy every trouble. Je peux défier toutes les circonstances. I can challenge every circumstance. Par le nom de Jésus Christ. By the name of Jesus Christ. Je peux le faire. I need to do it. J'ai trouvé. I found. J'ai trouvé. I have found. Tu ne pouvais pas mourir. You cannot die. Avant que tu entendes ces choses. Before you heard these things. Et que tu reconnaisses qui tu es. And you recognize who et you quand are. Tu reconnais qui tu es. When you recognize who you are. Tu dois dire gloire à Dieu. Rejoice and give glory to God. Dis gloire à Dieu. Say glory to God. Dis gloire à Dieu. Say glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Avançons. Let's go forward. N'est-ce pas que c'est merveilleux? It is wonderful. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. If you want to sit down, you can sit down. Mais je dis. But I said. Oh, je te montre qui tu es. But I show you who you are. Réjouis-toi. Rejoice. J'aime ça. I love that. C'est ça qui fait le sujet de ma joie. That's the subject of my joy. Pourquoi moi je suis toujours content? Why am I always happy? Peu importe la situation. No matter the situation. C'est parce que je reconnais mon identité. It's because I recognize my identity. Je reconnais que je suis un fils du roi. I recognize that I'm a son of a king. Dans ce monde. In this world. C'est juste pour un temps. It's just for a time. Mais je rentrerai. But I will go back. Là où je régnerai. Where I will reign. Les anges seront mes serviteurs. The angels will be my servants. Les anges. The angels. Je parle des anges. I'm speaking of angels. Ça a été difficile sur la terre. It was difficult on earth. C'est bien. It's good. Mais les anges. But the angels. Seront mes serviteurs. Will be my servants. Là, je marcherai. And I walk. Avec le Majunda. With pride. Ngai mutuna longi. I've overcome. Hey! Woo! Est-ce que tu es avec moi? Are you with me? Tala. Oublie d'abord tout ce que tu as. First, forget everything that you have. Comme problème. As problem. Entre dans la chose. Enter in the thing. Oublie tout ce que tu as comme problème. Forget all of your problems. Entre dans la chose. And enter in et the thing. Tu comprendras la chose. When you understand the thing. Tous les problèmes vont se dissiper. All the problems will dissipate. Parce que si tu veux juste de reconnaître. Because you just have to recognize who you are. Tous les problèmes partiront. Partira. All the darkness will fade away. Oh mon Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Can someone clap for the Lord? Il y a un homme qui avait pensé trouver. There's a man that thought that he found. Et cet homme s'appelait Benjamin Franklin. And that man was named Benjamin Franklin. Il voulait trouver comment produire de la lumière. He wanted to see how to produce light. Il voulait trouver l'effet du courant électrique. He wanted to find the effect of electric current. Il cherchait nuit et jour. He was looking day and night. Sans rien trouver. Without finding anything. Mais un jour. But one day. Il était dans sa chambre. He was in his room. Là il faisait ses recherches. Where he was doing his research. On attendit quelqu'un crier. We heard someone cry. De cette chambre. From that room. Il a crié Eureka. He cried out Eureka. J'ai trouvé. I have found. Les gens sont venus. People came. Mais qu'est-ce que tu y as trouvé? But what did you find? J'ai trouvé la formule du courant. He said, I have found a formula for electricity. Mais il a trouvé la formule du courant. He found a formula for electricity. C'est juste la formule qu'il avait trouvée. But he only found a formula. Mais il devait y avoir quelqu'un d'autre. So there needed to be someone else. Nous parlons de la science. So now we're speaking of science. Thomas Edison. That was called Thomas Edison.
Et qui mit cela en action. That had to put it in action. Et quand Thomas Edison est venu, when Thomas Edison came, il a commencé à chercher des câbles. He started looking for cables, wires. Connecter ceci. Connect this. Connecter cela. Connect that. Il voulait maintenant passer cela en action. Now he wanted to put that in action. Pour que nous ayons du, okay, so that we may have the electricity that we have now. Frère Branham parle dans expectation. Brother Branham talks about in expectation. Dans paragraphe 67. Paragraph 67. Jusqu'à 69. To 60. Expectation prêché le 28 février 54. L'expectative. Prêché le 28 février 54 Phoenix. February 28th, 1954. Je ne vais pas beaucoup lire. Vous pouvez aller lire I'm à la maison. I'm not going to read much. I'm going to read at home. Pour que vous puissiez voir que j'ai dit ce que le frère Branham a dit. To say, you see, I'm saying what Brother Branham said. Donc c'était là la chose. That was the thing. Mais pour en avoir, but to have it, il fallait suivre une loi. They needed to follow the law. C'est ce que le frère Branham dit là-bas. That's what Brother Branham said. Il fallait suivre le principe. He needed to follow the principle. Pour avoir de la lumière. To have light. Est-ce que vous êtes avec moi? Do you are you with me? Nous disons toujours que Jésus Christ est là. We always say that Jesus Christ. Jésus Christ est là. Jesus Christ is there. C'est vrai que Jésus est là. It's true that Jesus Christ is there. Mais pour que tu puisses voir réellement que Jésus est là. Before you truly find Jesus Christ. Tu dois suivre le principe. You need to follow the principle. Tu dois suivre la loi. You need to follow the law. Quand tu suivras le principe. When you follow his principles. Quand tu suivras la loi. When you follow his laws. Tu verras que réellement Jésus Christ est là. You'll see truly Jesus Christ is here. Est-ce que vous croyez à cela? Do you believe that? Remarquez une chose. Notice one thing. Nous ne voyons pas le courant. We don't see the electricity. Okay. All right. Nous ne voyons pas le courant. We don't see electricity. Nous pouvons voir des câbles. We can see the cables there. Ça transmet le courant, non? That transmit the current. Mais si je vous pose la question. But if I ask you the question. Où est le courant? Where is the electricity? Vous n'avez jamais vu le courant. You've never seen electricity. Mais seulement vous savez. But you just know. Que si vous touchez à ces câbles. If you touch that cable. Là où le fil sort là. When the cable wire is out. Vous serez soit électrocuté. You'll either be electrified. Ou vous serez projeté. Or you'll be projected. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Quand vous touchez au courant. When you touch the wire. Soit vous êtes électrocuté. You're electrocuted. Ou vous êtes projeté très loin. Or you're projected very far. Et quand nous voyons la formule. When you see the formula. La formule dit. The formula says que l'électricité electricity provient de deux corps qui se frottent. Come from two wires that rub together. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'à? Are you are with me till now? Benjamin Franklin avait pensé trouver. Benjamin Franklin thought that he found. Mais quand nous rentrons dans la Bible, when we go back in the Bible, la Bible dit, the Bible says que ce qui existe that was there a déjà existé. Was already there. La Bible dit, the Bible says qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau. There's nothing new under the sun. Je voudrais que vous puissiez découvrir avec moi. I want you to discover with me. Comment est-ce que cette chose existait déjà? How this thing already existed? Est-ce que vous voulez découvrir ça avec you moi? You want to discover that with me? Est-ce que quelqu'un veut découvrir avec moi? Does someone want to discover with me? Comment est-ce que l'électricité avait déjà existé avant? How electricity already existed before? Quand vous touchez, when you touch, soit électrocuté, either electrocuted, ou projeté très loin, or projected very far. Allons dans Jean au chapitre 18. Let's go in John chapter 18. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. There's nothing new under the sun. Jean chapitre 18. John 18. Je vais lire de 3 à 6. I'm going to read from 3 to 6. La Bible dit ceci. The Bible says this. Judas donc ayant pris la corde et des huissiers envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens vinrent là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Judas then, having received a band of men of officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons. 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. Jesus, therefore, knowing all things that should come, went forth. Et leur dit, and said unto qui them, cherchez-vous? Whom seek ye? Il dit, qui cherchez-vous? He said, whom seek ye? 5. Ils lui répondirent. 5. They said unto him, Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Jésus leur dit, Jesus said unto them, c'est moi. I am he. Et Judas, and Judas, qui les livrait, also which betrayed him, avec eux. Stood with them. 6. Lorsque Jésus leur eut dit, as soon as he said, c'est moi, I am he, ils les reculèrent. They went backwards. Et tombèrent
par terre. And fell to the ground. Mais l'homme a parlé. But the man spoke. Mais comment est-ce qu'ils ont été projetés par terre? But how did they were projected on the C'est ground? C'est parce que It's because il y avait une puissance. There was a power qui est sorti de cet that homme-là. Came out of that man. Et quand il a dit oui, c'est moi. And when he said it is I. La puissance qui était en Jésus. The power that was in him. Les a projetés. Projected them. Ils ont été repoussés très loin. They say they were et projetés par terre. And fell to the ground. Quelle est cette puissance-là? What is that power? Benjamin Franklin a pensé qu'il a trouvé. Benjamin Franklin thought he had il it. A crié Eureka. He cried out Eureka. Parce qu'il a pensé trouver l'électricité. Because he thought that he found electricity. Mais nous voyons ici. But we see here. Mais cette puissance ici. That power here. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. There's nothing new under the sun. Ça existait déjà. It already existed. Dans cet homme appelé Jésus. In that man called Jesus. C'est pourquoi quand Jésus a parlé. That's why when Jesus spoke. Cette puissance-là. That power. De l'électricité. Of electricity. That was in Jesus. A projeté ces gens très loin. Projected these guys et on the ground. Par terre. And they were fell to the ground. Est-ce que vous avez... You see it. Est-ce que vous avez vu la Have chose? You seen it? Qui n'a pas compris? Who didn't understand? Levez la main celui qui n'a pas compris. Raise your hand if you didn't understand. Est-ce que vous avez compris? You understand? Est-ce que vous avez compris? Did you understand? Ils ont été projetés. They said they were projected backwards. Because la puissance the power était en Jésus. Was in Jesus. Et cette puissance là, and that power, quand Jésus a parlé, when Jesus c'est spoke, cette puissance qui les a projetés. That power that projected them. Donc c'est ça l'électricité. So that's electricity. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'à Are you with me till now? Ça vient du frottement des deux corps. It comes when you rub two wires together. Et remarquez une chose. And notice something. Nous avons la puissance de Dieu, n'est-ce pas? We have the power of God, don't we? Quand l'onction, when the anointing, descend, comes down. Quand l'onction, when the anointing, te saisit. To get c'est a hold ça of la you. Puissance de Dieu. That's the power of God. Quand l'onction te saisit. When the anointing gets a hold of you. Tu ne sais plus te contrôler. Sometimes you don't know how to control yourself. Tu tombes par terre. You fall on the ground. Tu ne sais pas comment tu es tombé par terre. You don't know how you fell on the ground. Quelle est cette puissance là? What is that power? Qui te fait tomber par terre? That makes you fall on the ground. C'est la puissance de Jésus-Christ. It's the power from Jesus Christ. Des fois tu te sens électrocuté. Sometimes you feel electrified. Tu commences à trembler. And then you don't know what to do. You start trembling. Tu ne peux pas te contrôler. But you don't know how to control pas. Yourself. You don't control c'est yourself. C'est ça l'électricité. That's electricity. Electricity which we're talking about was already that man called Jesus. And God says by the baptism of the Holy Ghost. So when the devil comes, you're more than 6,000 volts. You're more than 6,000 volts. C'est pourquoi tu peux faire fuir le diable. That's why you can make the devil flee. C'est pourquoi tu peux vaincre toute situation qui vient de That's why you can overcome every situation that comes before you because of that power que Dieu donne. That God gives c'est you. Ça l'électricité. That's electricity. Et le frère Branham me dit But the Branham says this. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Are you with me till now? Il dit quand naturel. It says when the natural frotte sur le surnaturel. Rubs on the supernatural. L'électricité. Electricity. Ce sont deux corps qui se frottent. Those are two wires rubbing together. Nous avons le naturel. We have the natural. Que toi tu es. That you are. Quand tu te frottes avec le surnaturel. When you rub yourself with the supernatural. Le surnaturel qui est Dieu. The supernatural that's God. Ça produit le courant électrique. It produces an electric current. Quand le naturel qui est l'homme. When the natural that's man. Mélange au surnaturel. And then the supernatural. Ça produit le courant électrique. Produces electric current. Dieu God ne peut pas travailler sans l'homme. Cannot work without the man. Pour que Dieu travaille, for God to work, Dieu doit travailler toujours par l'homme. God always need to work through the man. Et toi, and you, tu es la partie naturelle. You're the natural part. Et lui, and he, il est la partie surnaturelle. He is the supernatural. Quand il vient en toi, when he comes in you, il se frotte en toi. He rubs against you. Il se frotte avec toi. He rubs against C'est you. C'est ça le courant électrique. That's the electric current. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? J'ai trouvé. I have found. Quand nous regardons, le frère Branham dit ceci. When you look, Brother Branham says. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? And what is the Holy Ghost? Je vais quand même le lire. I'm still going to read it. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Ghost? Est-ce que vous êtes avec moi jusque là? Are you with me till now? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Is somebody with me till now? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Ghost? Prêchez le 12 décembre 59. Preach December 12, 59. Le frère Branham dit ceci. Brother Branham au paragraphe 111 et 112. Paragraph 1, il dit regardez 11, ces lumières. Say, look at that light. Quand Benjamin Franklin a saisi ça. When Benjamin Franklin seized it. Il a dit je l'ai. He said I have it. Il ne savait pas ce qu'il avait. He didn't know what he had. Mais il... But he had it. Et je veux que quelqu'un vienne me dire.
ce soir. I want someone to come tell me tonight. C'est quelle électricité? What is electricity? Ils ne savent toujours pas ce que c'est. Still don't know what it is. Mais on l'a. But we have it. Il dit amen. Said amen. Il dit c'est vrai. It says true. Il n'y a pas un homme qui sait ce qu'est l'électricité. There's not a man that knows what electricity is. Ils peuvent l'exploiter. They can use it. Faire de la lumière. And make light. Avec. With it. La faire brûler. Make it burn. La faire agir. Make it act. Mais elle est-elle elle est produite par des générateurs. But it's produced through generators. Deux pièces. Two pieces. Qui tournent ensemble comme ça. That rub together elle like this. Elle produit ça. That produce it. Et c'est tout ce qu'ils en savent. And that's what all they know. Elle donne de la lumière. It gives light. Elle contient de la puissance. It contains power. 112. 112. Et c'est comme l'esprit de Dieu. It's like the power of God. Quand vous avez une pièce. When you have a piece. Qui est vous? That's you. Et que l'autre pièce. And the other piece. C'est Dieu. That's God. Et que vous les faites tourner ensemble. And that you rub them together. Comme ça. Like this. Ça va faire quelque chose. It's going to make something for you. C'est vrai. It's true. Ça va donner de la lumière. It's going to give light. Et la Bible dit, and the Bible says vous êtes la lumière de la terre. That you are the light of the earth. Vous êtes des lumières. That you are light. Alors que votre lumière luise. So that your light shine. Ça, c'est que la Bible That's dit. What the Bible says. Ça va donner de la puissance. It will give power. Vous ne savez pas ce que c'est. You don't know what it is. Et vous ne saurez jamais ce que c'est. And you'll never know what it is. Mais quand vous l'avez, but when you have it, vous le savez. You know it. Ça c'est sûr. That's sure. Et c'est pour vous. And that's for it's for you. C'est à vous. It's yours. C'est l'assurance. It's assurance. C'est vrai. It's true. Qu'est-ce que cette lumière là montre? What does that light show? C'est l'assurance. It's assurance. La lumière est bien là. The light is really there. Maintenant, remarquez ceci. Now notice this. Donc vous ne savez pas ce que c'est. You don't know what it is. C'est ça le Saint-Esprit. That's the Holy Ghost. Vous êtes une pièce. You're a piece. Et Dieu est l'autre pièce. And God is the other piece. Et quand vous tournez ensemble, and when you get these two pieces of wire together, it produces electricity. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Can someone clap for the Lord Jesus? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Can someone glory to God? Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Avançons un peu pour aller à la fin. Let's go forward to get to the end. Je vais dire ceci. I want to say this. Comme je l'avais dit. As I've said. Que l'étoile représente un messager. That the light represents a messenger. Et Dieu avait sept étoiles dans. God had seven stars in his hand. Et nous savons que sept étoiles. And we know the seven stars. Sont les sept messagers. Are the seven messengers. Des sept de l'église. Of the seven church ages. Amen, amen. Amen. Et chaque étoile était une lumière. And every star was a light. Pour un âge donné. For a given age. Mais pour que toi. But for you. Tu puisses crier Eureka. You can cry Eureka. Tu dois reconnaître. You need to recognize. L'étoile. The star. De ton temps. Of your time. Parce qu'il y avait une étoile. Because there was a star. Pour chaque âge. For every age. Et dit au commencement. That said in the beginning. Que pour reconnaître. That to recognize. L'étoile de ton temps. The star of your time. Tu dois être prédestiné. You need to be predestined. Par Dieu. By God. Avant la fondation. Before the foundation of the world. Pour reconnaître l'étoile. To recognize the star. Et l'étoile. And the star. C'est le messager. Is the messenger. Quel âge vous êtes avec moi? Are you with us till now? Il y a une chose. But there's one thing. L'étoile. The star. Donne une lumière. Gives a light. Et cette lumière, and that light ne provient pas de cette étoile-là. Doesn't come from that star. Ça provient de quelque part. It comes from somewhere. Si je veux bien l'expliquer, if I want to explain it, quand l'histoire a commencé, when history began, il y avait une grande lumière qui était venue sur la terre. A great light came on earth. C'était le matin. That was the morning. La lumière est venue le matin. The light came in the morning. La lumière s'est levée le matin. The light rose in the morning. Le soleil qui se lève le matin. The sun that rises in the morning. C'est le même soleil. Is the same sun. Qui se couche le soir. That sets at night. Il n'y a pas de changement de soleil. There's no changing of sun. Le même soleil qui s'est levé. The same sun that rose. C'est le même soleil qui se couche le soir. Is the same sun that will set in the evening. Et quand nous arrivons le soir, so when we get to the evening, la lune vient. The moon comes. Dans l'image prochaine, nous parlerons sur la femme enveloppée du soleil. Next Sunday, we'll talk about the woman. Aujourd'hui, parlons d'abord de ça. Donc,
le soleil qui est apparu le matin, the sun that appeared in the morning, c'est le même soleil qui se couche le soir. It's the same sun that sets at night. Et remarquez, now notice, parmi les sept étoiles que Dieu avait dans sa main, among these seven stars that God had in his les hand, sept étoiles étaient pour les sept églises du Nouveau Testament. The seven stars were for the seven churches of the New Testament. Mais nous voyons, but we see, Jean-Baptiste, that John the Baptist est venu, came. Jean-Baptiste est venu, John the Baptist came. Il était aussi une étoile. He was also a star. Mais lui est venu dans l'Ancien Testament. But he came in the Old Testament. Parce qu'il est venu avant Jésus. Because he came before Jesus. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Il est venu dans l'Ancien Testament. He came in the Old Testament. Il est né avant Jésus. He was born before Jesus. Donc lui n'est pas compté parmi les sept étoiles. So he's not counted among the seven stars. Mais le frère Branham dit, but the brother Branham says, depuis que le monde existe, since the world has existed, depuis que le monde existe, since the world has existed, il n'y a eu que deux grandes étoiles. There was only two major stars. Il n'y a eu que deux grandes étoiles. There's only been two major stars. Il a dit, he says, d'abord c'est l'étoile du matin. First is the morning star. Et la deuxième grande étoile. And the second great star. C'est l'étoile du soir. Is the evening star. Mais nous remarquons. But we notice. Que Jean, that John the Baptist. Ne se retrouve pas dans les sept étoiles. Doesn't find himself in the seven stars. Il n'est pas là. He's not there. Parce qu'il n'était pas le messager de l'âge. Because he was not a messenger of an age. Dans le Nouveau Testament. In the Old Testament. Mais il était une. In the New Testament, but he was a star. Mais les deux grandes étoiles. But the two great stars. C'est l'étoile du matin. The morning star. Et l'étoile du soir. And the evening star. Pourquoi est-ce que les deux grandes étoiles? Why did these two great stars? Sont l'étoile du matin. Are the morning star. Et l'étoile du soir. And the evening star. Est-ce que vous voulez découvrir cela? You want to discover it. C'est parce que it's because la première étoile, the first star, la première grande étoile, the first great star, quand elle est venue sur la terre, when it came on earth, elle était venue pour une mission, it came for a mission, et la mission pour laquelle, and the mission it came la mission for, pour laquelle, the mission for which, cette étoile était venue, the star came for, préparer, is to prepare, la première venue, the first coming, de Jésus Christ, of Jesus Christ, et Jean Baptiste and John the Baptist came, il a prêché son message, he preached his message, mais comme il devait présenter le Messie, present the Messiah, il devait être là de son vivant, he had to be there alive, et présenter Jésus Christ, presenting Jesus Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Il devait être là de son vivant, he would need to be there alive, présenter le present Seigneur, the Lord. Quand le Seigneur entrait dans l'eau, so when the Lord went into water, il est allé dans l'eau, he went in the water. Le frère Branham dit, Brother Branham says, le messager, the messenger, et le message, and the message, se sont rencontrés dans l'eau, met in the water. Ils se regardaient dans les yeux. They looked each other in the et eyes. L'eau, and the water, montre toujours le peuple. Always represents l'eau the people. Montre toujours le peuple. The water represents the people. Le messager, the messenger, et son message, and his message, se sont rencontrés dans l'eau, met in the water. Je dis, John says, je ne suis pas digne. I'm not worthy. D'ouvrir les, qu'est-ce qu'on dit? Les cordes de tes sandales. To unlatch your shoelaces. Je ne peux pas te baptiser. I can't baptize non, you. Non, tu dois le faire. You know, you tu need to dois do le it. Faire. You need to do it. Pourquoi tu dois le faire? Why do you need to do it? Parce que je suis l'agneau. Because I am the lamb. L'agneau. Because the lamb. Être sacrifié. To be sacrificed. L'agneau doit être lavé. The lamb needs to be washed. Moi, je suis l'agneau. I am the lamb. Je suis l'agneau de Dieu. I am the lamb of God. Je dois venir pour un sacrifice. We need to come for a sacrifice. Pour un sacrifice. We need to come for a sacrifice. Pour que je sois sacrifié. To be sacrificed. Je dois être lavé d'abord. I need to be washed alors, first. Jean Baptiste. So the John the Baptist. Tu dois me baptiser. You need to baptize. Tu dois me plonger dans l'eau. You need to put Jean in the water. Baptiste, John the Baptist didn't have a choice. Il n'avait pas de choix. He didn't have a choice. Il s'était retrouvé devant faire ça. He found himself before. Il devait le plonger dans l'eau. He needed to put him in the water. Et quand il a plongé dans l'eau, when he placed him in the water, il est sorti. And he came back out. L'esprit de Dieu est venu sous forme de la colombe. Of God, come sous les ailes d'une colombe, in the form of a dove. Blanche comme neige, envoya son amour du pire. Un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Et une voix, a voice, se fit entendre du ciel, was heard from heaven, pour dire celui-ci, to say this, est mon fils bien-aimé, is my beloved son, en qui, in whom, j'ai pris le plaisir d'habiter. I'm dwelt to dwell, pleased to dwell in. Et la Bible dit, the Bible says, cette voix dit, that voice says, écoutez-le, hear ye him. Jean Baptiste, John the Baptist, a présenté Jésus, presented Jesus. Voici l'agneau de Dieu. This is the Lamb of God. Qui ôte les péchés du monde. That takes away the sin of the world. Par
Parce qu'il a présenté Jésus. Because he presented Jesus. Ça fait de lui le plus grand prophète. It made him the greatest prophet. Et Jésus a dit. And Jesus said. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes. Amongst all that were born of the women. Il n'y a pas un plus grand que Jean Baptiste. There is not a greater than John the Baptist. Parmi tous ceux-là qui sont nés de femmes. About all that were born of the women. Comme Jean Baptiste. No one is like John the Baptist. Pourquoi? Why? Pour le prophète, for the prophet, parlé, has spoken. Ils ont parlé de la venue. They've spoken of the coming. Ils ont parlé de Jésus. They spoke of Jesus. De sa venue. Of his coming. Que Jean Baptiste, John the Baptist, l'a présenté. Presented him. Il était face à face avec he was lui. Face to face with the Messiah. C'est ce qui a fait de lui grand. That's what made him great. Et la deuxième grande étoile. And the second great star. La deuxième grande étoile. The second great star. C'est l'étoile du matin. That's the morning star. Et nous sommes dans l'étoile du soir. But now we're in the evening time. Et dans l'étoile du soir. In the evening time. Hey! La grande étoile. The greatest star. Laissez-moi quand même vous le lire. Let me read it to you. Commenter. Before commenting. Lisons dans question-réponse. Let's read question-answer. Je vais vous le dire. I'm going to read it to you. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Vous voulez que nous puissions continuer un peu? You want us to continue a little bit? Ou que vous découvriez la chose? So you discover the thing. Hallelujah! Question réponse du 12 janvier 61. Question answer of January 12. C'est dans le livre de COD. It's a church. Commençons paragraphe 407. Paragraph 407. Jusqu'à 411. To 411. Le frère Branham me dit. Brother Branham. Alors says, là, vous voyez ce qu'il en est. Now you see what it is. Élie était le messager. Elijah was the messenger. Il devait acclamer. Then he needed to proclamer l'arrivée de l'étoile. Proclaim the coming of the star. L'étoile de l'Est. Star of the East. Là, il parle de Jean Baptiste. He's talking about John the Baptist. Et il a été prédit. And it was predicted. Que ce serait lui. That it was him. Élie. Elijah. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Il a été prédit. He's predicted. Que ce serait lui. That it would be him. Mais il parle d'Élie. I'm speaking of Elijah. Qui proclamerait? That will proclaim l'arrivée de l'étoile de l'Ouest. The coming of the evening star, the western star. Ou la venue. Or the coming. De nouveau. Of the big new. Un jour nouveau. There'll be a new day. Après que ce jour-ci serait passé. After that day will be passed. Maintenant. Now. Vous voyez ce que c'est. You know what it is. L'Est. The East. La lumière apparaîtra. Oh, il n'a pas terminé. The light shall. Vous voyez. Juste avant qu'elle soit proclamée. Before it was proclaimed. L'arrivée du soleil sur la terre. The coming of the sun on the earth. L'étoile du matin en a rendu témoignage. The morning star testified of it. Le soleil arrive. The sun is coming. Pas vrai. Isn't it true? Vous voyez. You see. C'est ce qui fait paraître l'étoile du matin. That's what makes the morning star shine. Il dit bon. You say good. Eh bien. See. L'étoile du matin. The morning star. Et l'étoile du soir. And the evening star. Sont des étoiles du même type. Are the same type of stars. Il y a des petites étoiles un peu partout entre elles. And there's little stars in between them everywhere. La grande étoile, the great star, c'est l'étoile du matin, is the morning star, et l'étoile du soir, and the evening star. Il dit, et il y a des petites étoiles un peu partout entre elles. And there's little stars in between them. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? You see what I want to say? Il dit les messagers. He said messengers. Entre le messager du matin, between the morning messenger et le messager du soir, and the evening messengers, il y a des petits messagers. There's little messengers. Ils ne sont pas grands. They're not great. Ce sont des petits messagers. They're little messengers. Ils sont entre eux. That's between them. Il dit maintenant écoutez. He said now listen. Jean a apporté son message. If John brought his message, et proclamé la première venue de Christ, and proclaimed the first coming of Christ, et son dernier jour, and then the last day, Élie arrive, Elijah comes, le prophète a dit, the prophet says, vers le soir, in the evening time, la lumière apparaîtra, there shall be light. Il dit autrement dit, he said in other words, vers le soir, in the evening time, il y aura une lumière, there will be a light, la lumière du soir, the evening light, le plus grand luminaire du soir, the greatest light of the evening, que nous avons, that we have. C'est l'étoile du soir. That's the evening light. Le plus evening grand luminaire que nous avons. The greatest star that we have. Eh bien, alors elle devra. Well, it has to. Obligatoirement. It must. Proclaim. Le même message. The same message. Que cette autre étoile. As this other star. Quelqu'un a compris cela? Does someone understand that? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Does someone say glory to God? Je réponds là. I'm going to say it again. Je réponds cela. I'm going to say it again. Et bien alors, well, then, elle va obligatoirement. Then she must proclaim le même message the que same message étoile. As that other star. Et
Elle proclame l'arrivée du soleil. It proclaims the coming of the sun. Elle annonce le soleil. It announces the sun. L'étoile du soir. The evening star. Là, c'était l'étoile du matin. That was the morning star. Avant que les anges de l'église ne commencent. Before the church ages start. Les anges n'avaient pas encore commencé. The ages hasn't started yet. Et Jésus est venu. And Jesus came. Séparer l'histoire de la préhistoire. Separate history from prehistory. Et les anges de l'église. And the church ages. Ne se retrouvent pas dans la préhistoire. They are not in prehistory. Les anges de l'église. The ages of sont the dans l'histoire. History are in history. C'est l'histoire. History needs to be written. C'est l'histoire qui doit être prêchée. The history needs to be preached. Ce n'est pas la préhistoire. Not prehistory. Nous vivons dans l'histoire. We live in history. Et si l'ange, so if the angel, Jean-Baptiste, John the Baptist, était là was dans l'intermédiaire, in, as an intermediary, de séparer l'histoire de la préhistoire. Separate history from prehistory. Est-ce qu'il était dans le Nouveau Testament? Was it in the Old, New Testament? Est-ce qu'il était dans l'Ancien Testament? Was it in the Old Testament? On peut avoir des confusions. We can be confused mais about nous devons that. Avoir l'étoile du soir. We need to have the evening light. Pour que l'étoile du soir. Because the evening star. Nous le même message. Will bring us the same message. Et un jour. And one day. Pendant que l'étoile du soir était venue. When the evening star came. L'étoile c'est le messager. The star je n'ai pas honte de le dire. I'm not ashamed to say le messager de l'heure. The messenger of the hour. C'est William Marion Branham. Was William Marion Branham. C'est lui l'étoile du soir. He was the evening star. Amen, amen. Amen. Jean-Baptiste était l'étoile du matin. John the Baptist was the morning star. Qu'est-ce qui fait de Branham un grand prophète? What makes Branham a great prophet? Qu'est-ce qui fait de Branham un grand prophète? What makes Branham a great prophet? C'est parce que. It's because. Depuis qu'il était enfant. Since he was a child. Dieu l'avait protégé. God protected him. Ne bois pas. Don't drink. Ne fume pas. Or don't smoke. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. He didn't know what mais he needed Dieu to do. A dit, but God told him. Tu auras un travail à faire pour you'll moi. Have a work to do for me. Ne suis ton corps d'aucune manière. Don't defy your body in any way. You have the work to do. Et un jour, Dieu l'a appelé dans le travail. One day God called him to the work. Il a commencé à prêcher la parole. He started preaching the word. Et un jour, one day, en 1933, it was May 17th. Vous savez, 17, le chiffre 17. You know the number 17. Dans la mathématique de Dieu. In God's math, it shows the end. And Brother Branham says, he talks about the 11th hour worker. The 11th hour worker are those that come at 5 o'clock when the job is going to be done. 5 o'clock. That's 17 hours. And at 6 p.m., the doors need to be closed. That's why it's at 5 o'clock. The 17th person. While he wanted to baptize, God remembered that it was May 17th. Baptizing the 17th person. La fin, la fin. At the end of the end, et la voix a dit, and the voice said, de même, the same envoyé, as absent. Qui envoyé, who said? Je. I have sent. De même, like I have sent. Like I envoyé, have sent. Jean-Baptiste, John the Baptist. Pour préparer to prepare my première first venue. Coming. La première venue de qui? Who's first coming? De je. Of I. Le je qui envoyé. The I that sent. De même, the same de je. That I envoyé, have sent. Jean-Baptiste, John the Baptist. Comme précurseur, as a forerunner ma of my première venue. First coming, je I t'envoie. Will send you. Je I t'envoie. Will send you avec un message. With a message. Pour quelle raison? For what reason? Pour préparer to prepare ma grande venue. My second coming. Je ne sais pas si vous comprenez. I don't know if you understand. Qui a envoyé? Who sent it? Je I. Qui est le je? Who is the I? Dieu lui-même. That's God himself. Je envoyé. I have sent Jean-Baptiste. John the Baptist. Préparé. To prepare. Ma première venue. My first coming. Alors moi. Then I. Celui-là. That one. Je t'envoie. I will send avec you. Avec un message. With a message. Pour préparer. To prepare. Ma seconde venue. My second coming. Vous me posez la question. You ask me a question. Est-ce que William Branham? William Branham? Oh, vous dites qu'il doit présenter. You say he needed to present. Est-ce qu'il a présenté? Did he present? Est-ce qu'il a présenté? Did he truly present? Je me sens bien. I feel good. Je me sens religieux. I feel religious. Je sens comme si je dois sauter. I feel like I need to jump. Je sens comme si je dois courir. I feel like I need to run. Hey, je me sens bien. I feel good. Est-ce que tu te sens bien pour moi? Do you feel good? Frères et sœurs, brother and sister, qui est Jésus? Who is Jesus?
Jésus est la parole. Jesus is the word. Jésus est la parole. Jesus is the word. Je t'envoie. I will send you with a message pour préparer to prepare my second coming. William Branham nous a présenté Jésus. Did William Branham present us to Jesus? Yes, he did. Qui est Jésus qui Who is présenté? Jesus that he presented us to? La voix qui crie au milieu de la nuit. The voice that cried out in the night. L'époux. Behold the bride. Allez à sa rencontre. Behold the bridegroom. Qui est l'époux? To meet him. Who is the bridegroom? That's the word. Et vous remarquerez quand nous parlerons le dimanche prochain. You notice when we speak next Sunday. Que la femme enveloppée du soleil. The woman wrapped around the sun. Today. L'épouse est déjà mariée. The bride is already married. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Mariée à quoi? Married to what? Voici l'époux. This is the bridegroom before you have to meet him. I will talk about that next Sunday. Who is the bride? The bridegroom that Bishop Brown presents us. It's the word. The message of the hour. We need to be married to the word. And become the word. And when we become the word, we become the word made flesh. The works that I do shall you do also. And you shall be greater. Because I go to the Father. But he went to the Father. But he stayed here on earth. It's the bridegroom. The works that I do, who needs to do it? It's the bride. The end time bride has become the word. Made flesh. Je vais entendre un grand amen. I want to hear a great amen. Frère, brother, c'est ça le message. That's the message. Marie-toi à la parole. Marry yourself to the word. Deviens la parole faite chair. Become the word made flesh. Et quand tu deviens la parole faite chair, when you become the word made flesh, tu marcheras avec le maître. You walk with pride. Les gens veulent voir Jésus. People want to see Jesus. Qui est Jésus? Who is Jesus? Vous pensez que les gens veulent voir Jésus qui est au ciel? You think people want to see Jesus in heaven? Les gens ne cherchent pas voir le Jésus qui est au ciel. People are not looking for Jesus in heaven. Les gens veulent le voir. People want to see. Le Jésus marchant avec les Jesus pieds. Walking with two feet. Et qui est ce Jésus marchant avec les Who pieds? Who is this Jesus walking with two C'est feet? L'épouse du temps de la fin. It's the bride of the end time. C'est l'épouse du temps de la fin. It's the bride of the end time. C'est ce que le monde veut voir. That's what the world wants Et to la see. Bible dit, and the Bible says. La nature. Nature. Tout entière. All Et natures. Ton cœur de soupirer. Earnestly awaits. Et veut voir. And it desires to see the manifestation. La manifestation de qui? The manifestation la of who? Of the sons and, and daughters of God. Sont ses fils et ses filles Who are the sons and daughters of God? Mais c'est toi. But it's you. Mais c'est moi. It's me. Nous devons manifester we need Christ. To manifest it. Est-ce que tu peux te réjouir? Can you rejoice? Que c'est toi ce fils. Say that you, c'est toi cette fille de Dieu. If you are a son and daughter of Nous God, manifester le fils. They need to manifest the son. Hey! Frères et sœurs, brothers and sisters, c'est là où ça devient terrible. That's why it becomes terrible. Et things become hard. Un jour, one day, nous étions dans le monde. We were in the world. Nous ne connaissions pas ce message. We didn't know this message. Personne n'était né avec le message. No one was born with this message. Peut-être à part les enfants du prophète. Maybe the children of the prophet. Nous tous, that's all. Nous ne connaissions pas ça. We didn't know that. Mais un jour, but one day, cette lumière, that light, est venue frapper, came and struck, à la porte de nos cœurs, the door of our hearts, là où tu étais, where you were, étant prédestiné, being predestinated, par Dieu avant la fondation by du God monde, before the foundation of the world, à reconnaître. Recognize means see. Tu étais prédestiné. You were predestinated voir. To see l'étoile de ton temps. The star of your day. And recognize la parole de ton temps. The word of your Un time. Jour, cette lumière One day that light est venu à la porte du cœur. Came to the door of your heart. And it struck you. And I was predestinated avant la fondation du before monde. The foundation of the world reconnaître. To recognize. When it struck, je ne pouvais pas résister. I couldn't resist it. On pouvait m'appeler pour mouiller. They can call me a coward. Mais cela ne me dit rien du tout. But it doesn't mean anything oh, to me. Toi, tu as sauté. Oh, you sunk. Ah, you jumped. J'étais avec ça. I was with it. Vous savez, you know, reconnaître une chose, to recognize something, c'est quand vous avez déjà cette chose. That means that when you've already known the thing before, on parle de reconnaître. We call it recognition. Pas connaître. Not know. Ce sont deux choses différentes. To know and to recognize are two different things. Reconnaître. To recognize. C'est que j'avais déjà vu ça. That means avant. I already saw c'est seen comme it si before. J'ai ma Bible ici, it's like I have my Bible here. Et j'ai perdu ma Bible. And I lost my Bible. Autant de beaucoup de Bibles là-bas. You can put a lot of Bibles there. Je viens chercher. I'll come to look. On me représente ça. They show me this. Est-ce que tu reconnais ça? Do you recognize it? Je dirais oui, ça I c'est say le yes, mien. This is mine. Parce que j'avais Because ça avant. I had it before. Je l'avais perdu. I lost it.
Et toi, tu reconnais comment? And now, how do you recognize? C'est parce que tu étais It's because you were there before. Avec ce message With this message of the hour. Et quand Jésus, quand tu as posé la question à Jésus, the message that Jésus, où étais-tu? Where were you? Dans les étoiles du matin. When the star, the morning star. A shout, a et shout of joy. Fils de Dieu, and under the sons of God, give shouts of joy. Tu étais là. You were there. C'est pourquoi quand cette lumière. So that's when that light. Came and strike through your door today. You recognize that light because you were with that light before the foundation of the world. It's not by accident that you found himself in this message. It's not by accident that you recognize the man. It's not by accident that you recognize the word of God. It's not by accident that you are in this message. Because you were with him before the foundation of the world. Can someone say glory to God? Can someone say thank you, Lord? Be the person next to you. Tell him I was with the message. You can stand up and greet the person next to you. Don't be glued to your seat. You recognize parce que tu étais avec ça because you were with it before. Et si y a quelqu'un qui doit crier Eureka, if someone needs to cry out Eureka, ce n'est pas Benjamin Franklin. It's not Benjamin Franklin. Non. No. Lui avait pensé trouver. He thought that he found. Mais je vous ai montré but I told you que Benjamin Franklin, Benjamin Franklin n'avait rien trouvé. Found nothing. Parce que tout ce qu'il a pensé trouver because what he thought he found existait déjà already existed dans cet homme appelé Jésus. In that man called Jesus. C'est lui le courant électrique. He is the electric current. C'est lui l'électricité. He is electricity. Il doit venir. He needs to come frotter sur la chair and rub up against you. To have two generators. You need to be a generator. Natural generator. And he's a spiritual generator. Supernatural. And you need to rub against each other. To produce light in this world. This world is in darkness. It needs a light. What is that light? It's you. And God. Together. Vous devenez un. You become one. La parole fait chair. The word made flesh. Quand je marche, and when I walk, ce n'est plus moi qui vis. C'est la parole à moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est la parole à moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est la parole. Est-ce que tu reconnais que c'est une gloire? You recognize it's a glory. C'est la gloire. It's a glory. When you're the natural, you rub against the supernatural. That's all God looks for you. That's all God is looking for. Le message n'est pas venu. The message didn't come. Pour s'endormir. To go to sleep. Dans la voix de Dieu. In the voice of God. Non. No. Le message est venu. The message came. Pour faire des hommes et des femmes Dieu. To make men and women of God. Pour créer des dieux. To create gods. Des dieux marchant sur la terre. God walking on earth. Des dieux parlant sur la terre. God speaking on earth. C'est pour cette raison. It's for that reason. Que le message est venu. That the message came. La lingina mona, liloba na nzambe, koti kaba broshire kofanda katina. La lingina mona, liloba na ye. Kotika ba biye ya kofanda katinanga salela ngai asalela yonini. What did he do for you? Asalela yonini. What should he do for you? Koma pole. Koma lumière. Become the light. And manifest the message. And manifest the message. Salela ngai salela ngai salela ngai salela ngai. C'est ce que Dieu attend de nous. That's what God is waiting for you. Hey. Non, je dois terminer, s'il vous plaît. I need to finish. C'est tellement merveilleux. It's so wonderful. Le message de l'heure. The message of the hour. C'est ça le Saint-Esprit. That's the Holy Ghost. Et quand nous avons trouvé le message. When you found the message. Qui est le Saint-Esprit? Who's the Holy Ghost? Ce n'est pas pour dormir avec. It's not to sleep with it. Mais c'est pour agir. But it's to act. Avec le message. With the message. Et entrer dans le travail. And enter in the work. Je vais vous lire quelque chose. I'm going to read to you something. Le frère Branham me dit. Brother Branham says. Dans la prédication El Shaddai. In the sermon El Shaddai. El Shaddai d'abord, disons ça. El Shaddai, let's read that first. Prêché le 16 avril 59. Preach April 6, 1969. Paragraphe 23. Paragraph 23. It is, but the trouble with the people today. Mais le problème avec les gens aujourd'hui. Those who have the Holy Spirit. Ceux qui ont le Saint-Esprit. They just, they don't know what to do with it. Ils ne savent pas s'en servir.
They blow it all out in steam. Ils font tout sortir. Instead of making it work for the Lord. Au lieu de le faire opérer pour le Seigneur. They shout it out. Ils crient. And praise it out. Et ils louent. Pour montrer qu'ils l'ont. That's all right. Tout ça c'est bien. But let's put it to work. Mais mettons cela à l'œuvre. Let's make it work for the Lord. Mettons cela à l'œuvre pour le Seigneur. Like Benjamin Franklin. C'est comme Benjamin Franklin. When he caught electricity, quand il perçut l'électricité, he began to scream. Il se mit à crier. I got it. Je l'ai. I got it. Je l'ai. But just to say he had it, mais le fait qu'il dit qu'il l'avait, God, il n'a pas terminé. Il n'a pas. Because he felt it. Parce qu'il avait senti. He had it. Il l'avait. But mais it will never do no good. Cela ne servira à rien. Till he put it to work. Avant qu'il le mette ça à l'œuvre. Ça ne servira de rien. It won't jusqu'à do any good. Qu'il mette cela à l'œuvre. Until he puts it to work. He did now look. Voyez donc. What it does. Ce que cela nous a donné. And the Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Will light up the world. Éclairera le monde. With the gospel, just like electricity. Par l'évangile. Comme l'évangile l'a fait. No, like electricity did. Comme l'évangile, l'électricité l'a fait. Je réponds cela. Oh, and the Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Will light up the world. Éclairera le monde. With the gospel. Par l'évangile. Just like electricity did. Comme l'a fait l'électricité. If we can put it to work. Si nous pouvons le mettre à l'œuvre. But you got to get out to let the Holy Spirit work. Mais vous devez laisser le Saint-Esprit agir. People today are, il n'a pas terminé. The people are entertained. Les gens s'amusent aujourd'hui. Les gens vont dans les églises. People go to church. Juste pour s'amuser. Just to be entertained. Mais nous devons laisser le Saint-Esprit. But we need to let the Holy Ghost travailler. Work. C'est ça ce que nous avons besoin. That's what we need. Et dans la prédication, Christ, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêchez le 6 mai 53. Preach May 6, 1963. Paragraph 14. Paragraph 14. Je lis au milieu. I'm reading the middle. That's what the church. C'est ça l'église. The matter with the church today. Ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui. They've got something. Ils ont quelque chose. But they don't know what they have. Mais ils ne savent pas ce qu'ils ont. Now, as long as he had it. Maintenant, tant qu'il l'avait. He could rejoice and say, I know it's here. Il pouvait se réjouir et dire, je sais que c'est ici. I feel it. Je peux le sentir. I know I get it. Je sais que je l'ai. It's in here. C'est ici. But what did he have? Mais qu'est-ce qu'il avait? He didn't do nothing with it. Il n'a rien fait avec. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Sir, we would see Jesus. Mais monsieur, nous voulons voir Jésus. Prêchez le 9 avril 61. Preach May April 9th, 1961. Paragraph 7. Je lis juste à la fin. Il dit ceci. I'm reading at the end. I have seen the great things that our Lord had did. J'ai vu des grandes choses que notre Seigneur a but fait. But I always noticed that it takes people. Mais j'ai toujours remarqué que ce sont les gens that will humble themselves. Qui peuvent s'humilier. And lay aside their own thought of it. Et mettre leur propre pensée de côté. And just take God's thought of it. Puis prendre la pensée de Dieu. And work according to his plan. Et travailler selon son plan. Which is faith. Qui est la foi. In what he said. En ce qu'il a dit. Qui a compris cela? Who understood that? Il apprend des hommes. It takes men. Qui peuvent s'humilier. That can humble themselves. Mettre leurs pensées de côté. Take their thoughts to the side. Et prendre la pensée de Dieu. And take the mind of God. Et marcher avec la pensée de Dieu. And walk with the mind of God. Qui est la foi. That is faith. Ça prend des gens comme ça. It takes people like that. Pour que Dieu puisse agir. So God can act. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Did you find something? Est-ce que vous pouvez dire Eureka aujourd'hui? Did you say Eureka today? Est-ce que vous pouvez dire Eureka aujourd'hui? Did you say Eureka today? Frères et sœurs. Brother and sister, je vais vous dire une chose. I'm going to tell you something. Évitons la distraction. Let's avoid distraction. Évitons la distraction. Let's avoid distraction, brother. Jésus revient. Jesus is coming. Mais avant que Jésus ne revienne, before Jesus can come, nous devons, we must, manifester la parole. Manifest the word. Nous devons manifester Christ. We must manifest Christ. Nous devons
montrer au monde. We need to show the world here que Dieu existe. That God exists. Que Jésus est encore vivant. That Jesus is still alive. Nous devons démontrer dans ce monde. We need to show in this world. Alors le diable nous amènera la distraction. So the devil will bring us distractions. C'est à nous de veiller. It's up to us to watch. Pour que la distraction ne puisse pas entrer. To see that distraction won't nous enter. Nous devons aller au ciel. We need to go to heaven, brothers. Il y a un ciel à gagner. There's a heaven to gain. Il y a un ciel pour quoi nous devons combattre. There's a heaven for which we should fight for. Le diable ne te laissera jamais tranquille. The devil will never leave you alone. Tu dois combattre. You must fight. À celui qui vaincra. To whom that overcometh. Celui-là. To him. Parce qu'il a vaincu. Because he overcame. Il va s'asseoir avec Jésus. He'll sit down with Jesus. Sur son trône. On his throne. Donc il y a une promesse. So there's a promise. Pour ceux-là qui vaincront. For those that overcome. Tu ne vaincras jamais sans combattre. You'll never overcome without fighting. Tu dois combattre. You must fight. Tu combats contre quoi? You fight against what? Contre tout ce qui vient tout autour de toi. Against all these things that comes around you. Tout ce qui vient tout autour de toi. All these that comes around you. C'est ça le combat que tu as de chaque jour. That's the fight that you have of every day. C'est ça le combat que tu as de chaque jour. That's the fight you have every day. Contre les mauvaises pensées. Against your evil thoughts. Contre les critiques. Against criticism. Contre les mensonges. Against lies. Contre la vie du monde. Against the life in the world. C'est ça le combat que tu as. That is the fight that you have. Combat ça. Fight it. Et celui qui t'a appelé. And the one that called you. Il a dit. Said. Je serai avec toi. I'll be with you. Et même si. Even if. Comme je l'ai dit hier. As I've said yesterday. Il s'avère. He knew. Que tu tombes quelque part. That you'll fall somewhere. Relève-toi. Stand up. Ne reste pas assis. Don't stay on the Relève-toi ground. Relève-toi. But stand up and continue your walk. Parce que le but principal, because the main goal, c'est la venue de Jésus. Is the coming of Jesus. C'est ça le but principal. That's the main goal. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes dans le message. The reason why we're in this message. Tout ce qui peut venir à côté, c'est everything that could come to the side is a distraction. Mais laisse à Dieu de nous conduire. But allow God to guide us. Dieu nous conduise. Let God guide us. Moi aussi je vais aller au ciel. I want to go to heaven too. J'ai aussi mon combat. I also have my fight. Que je dois combattre. That I need to fight. Chacun a un combat. We all have our fight. Tu as un combat. You have your battle. J'ai mon combat. I have my battle. Personne n'est épargné. No one is spared. Nous sommes tous dans la bataille. We're all in the Et battle. Nous devons vaincre. And we need to win. Dieu s'attend de nous. God is waiting for us to fight et à vaincre. And to overcome. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Distractions. Let's avoid distractions. Évitons les péchés. Let's avoid sin. Sanctifions-nous. Sanctify yourself. Manifestons la vie de Christ. Manifest the life of Christ. Pour ceux-là qui se sanctifient. For those that sanctify themselves. Pour ceux-là qui se sanctifient. For those that sanctify themselves. Ceux-là qui ont trouvé. Those are one that found. La dernière citation que je vais lire. The last quote I'm going to read. Vous connaissez quand même cette citation-là. You know this quote. Pour ceux-là qui se sanctifient. For those that sanctify themselves. Si tu étais tombé hier. If you fell yesterday. Relève-toi aujourd'hui. Stand up today. Continue la marche. Continue to walk. Frères et sœurs. Brother and sister. Jésus. Jesus. N'est pas venu pour les bons. Didn't come for the good ones. Il est venu pour les mauvais. He came for the ones that were bad. Si tu te reconnais. If you recognize yourself. Que tu es mauvais. To be bad. Reviens à Jésus. Come back to Jesus. Corrige seulement ta vie. Just correct your life. Lui n'est pas comme nous. He's not like us. Nous autres les hommes. Us as men. Amis nous dans le monde. We're bringing the world. Quelqu'un peut me demander pardon. Someone can ask me for forgiveness. Des fois j'ai des kilos. Sometimes it's heavy. Pour le boulango. It's hard to get it away. C'est la nature humaine. It's the human nature. Okay. Ça c'est une nature humaine. That's human nature. Mais écoutez. But listen. Lui qui n'est pas humain. He who is not human. Bien qu'il fût humain. Even though he was a human. Il n'est pas humain. But he's not a human. Lui il est Dieu. He is God. Lui quand il pardonne. When he forgives. Il prend tout le péché. He takes all your sin. Il prend cela. He takes it. Il a une mer. Has a sea. Qu'on appelle mer de l'oubli. They call a sea of forgetfulness. Ah, il vient dans cette mer là. He comes in that sea. Il prend le péché. He takes a sin. Il plonge ça dans la mer de l'oubli. He puts it in the sea of forgetfulness. Et le péché va descendre. Descendre. The sin will come down descendre. And down and down. Même quand lui-même vient pour revoir Even ça, if he comes to see it. Il ne le verra pas. He won't find it. Il ne le verra pas. He won't see Pourquoi? It. Parce que Why? Because ça a été placé dans la it was de placed in the sea of forgetfulness. Et quand il a oublié, and when he's forgotten it, il a réellement oublié. He truly has forgotten it. Il est devenu une nouvelle créature. Now you become a new creature. C'est pourquoi tous ceux qui sont en Christ that's why everyone that's in Christ sont devenus de nouvelles créatures. Is a new creature. Pourquoi? Parce que les anciens le péché. Why? Because the old les sins, anciens péchés. The old les anciennes choses the old things sont oubliées. Forgotten. C'est jeté dans la mer de l'oubli. Et il dit ceci. And it says this. Si vous venez à moi, if you come unto me, quel que vous êtes, the way that you are, vous qui êtes rouge, you that are red, avec vos péchés comme de la cramoisie, as crimson over your sin, votre Dieu, we your God, je regarderai vos péchés. When you look at your sin, par mon sang, through my blood, qui est rouge, that's red. Et quand je regarde, and when I look at it, vos péchés qui sont rouges, your sins that are red, as crimson. Mon sang qui est rouge. My blood that is et red. Quand je regarde
rouge vers rouge, when I look red vous through êtes red, plus blanc que la neige. You're whiter than snow. C'est pourquoi il nous a donné la chanson. That's why he gave us the song. Plus blanc que neige. Whiter than snow. Plus blanc que neige. Pourquoi? Why? Lavé dans le sang de l'agneau, j'étais rouge. Je serai plus blanc que la neige. C'est pourquoi il nous donne cette chanson. That's why he gives us this song. Mais quand tes péchés sont rouges, so when your sins are red, son sang rouge, his blood is red, ensemble, it makes together, il regarde par le sang, vous êtes plus blanc que la neige. You're whiter than snow. Donc quand tu as confessé, so when you confessed, you become a new person, créature, a new creature. Quand le diable viendra, when the trouble comes, pour t'accuser, the devil comes to accuse you, and you say, qui accusera le salut de Dieu? Who will accuse the elect of God? Pourquoi? Why? C'est Dieu seul qui justifie. Christ has justified you. He's justified you. Par son sang, by his blood, il m'a lavé. He washed me. Je suis devenu plus blanc que la neige. I become whiter than snow. Il me condamnera. Who will condemn me? Personne. No one. Je suis plus blanc que la neige. I'm whiter than snow. Je suis saint. I'm holy. Je suis saint. I'm holy. Aujourd'hui, today, je vous amène l'information. I bring you your training. Je parle aux saints. I'm talking to the saints. Ils sont à Dallas. That are here in Dallas. Aux saints. To the saints. Ils sont à Dallas. That are here in Dallas. Qu'est-ce qui fait de toi saint? What makes you holy? C'est le sang de Jésus. It's the blood of Jesus. Qui est rouge? That's red. Et tes péchés? And your sins? Ils sont rouges comme de la cramoisie. That's red as crimson. Et ça fait de toi un saint? It makes you holy. Lavé dans le sang de l'agneau, moi. Je serai plus blanc. C'est pourquoi j'ai toujours dit. That's what I've always said. Quand le diable vient t'accuser, when the devil comes to accuse you, ma benayo, you're evil. Et comme il conseille Sarah. Now it becomes an old thing. You're washed in the blood of the Lamb. Dieu te regarde, God looks at you. Il voit Christ. He sees Christ. Il te voit au travers de He Christ. Looks you at you through Christ. Et tu es lavé. And you're washed. Le diable peut pas te condamner. The devil can't condemn you. Quand tu te repens. When you repent. Et pour cela, and that's why, le frère Branham me dit, Brother Branham says, dans Vision de Patmos, in the Patmos Vision, paragraph 64:1, paragraph 64:1, ne crains point Jean, don't fear John, ne crains point petit don't fear troupeau, little flock, tout ce que je suis, all that I am, pour cela, you, pouvez, that have found, tout ce que je suis, all that I am, vous en êtes héritier, you are heir of it. All my power vous appartient. Belongs to you. Ma toute puissance, my almighty power is yours. Alors que je suis au milieu de vous, as I'm in the midst of you, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. I didn't bring, come to bring fear and failure, but love, le courage, and courage, et la capacité, and the ability. Le tout pouvoir m'a été donné. All power is given unto me. Et c'est à vous, and it's you, qui appartient de l'utiliser. That needs to use it. Prononcez la parole. Say the word. Et l'accomplirai. And I will make it come. C'est mon alliance. Say, that's my covenant. Et elle est infaillible. And it's infallible. Le frère Branham me dit. Brother Branham says. Attendez. Wait. Que les sept tonnerres. And these seven thunders. De l'Apocalypse. Of Revelation. Dans entendre la voix. May make sound. Dans ce groupe. In this group. Ils seront en mesure. They will be able. De trancher. To slice. Ils prononceront la parole. They'll speak the word. Tout ce qu'ils diront. All that they say. S'accomplira. Will come to pass. Pourquoi ça s'accomplira? Why will it come to pass? Parce que vous êtes dans l'alliance. Because you are in the covenant. L'alliance infaillible. The infallible covenant. The unchangeable covenant. The true covenant. Can you say Eureka? I have found. Eureka. I have found. The Lord bless you. Amen. Amen. Je ferme le tout. Je close it all. I'm done. Ne vous en faites pas. Don't worry. Je termine. I'm done. Oh, merci mon frère. J'ai terminé. Thank you, Lord. J'ai terminé. I'm done. Levez-vous, nous allons chanter un peu. Let's sing, we'll stand, we'll nous allons sing chanter. Oh oui, merci Seigneur. Seigneur, je te loue pour ta prédestination. Hey, Seigneur, je te loue pour ta prédestination. Quand je vois Satan échouer dans ma vie, Dieu dit, j'ai le projet de bonheur et non de malheur. I say, I have thoughts of joy and nous not vivons dans of la sadness. We live in happiness. Oh Seigneur, je te loue pour ta prédestination. Seigneur, je te loue pour ta prédestination. Quand je vois Satan échouer dans ma vie, quand je vois Satan échouer dans ma vie,
Et moi, c'est pour cela, on n'a plus d'influence.
Je serai paix. Merci, je meurs. Oh oui, je serai Your voice to Jesus. Parle au Seigneur maintenant. And speak to the Lord now. Parle à Jésus. Speak to the Lord. Parle au Seigneur. Speak to the Lord. Après avoir prouvé. You believe you found it. Après avoir prouvé. You believe you found it. Après avoir prouvé. You found it. Parle maintenant à Jésus. Now speak to the Lord Jesus. Qu'est-ce que je vais prouver? What have I found? J'ai trouvé le message de l'homme. I found the message of the hour. J'ai trouvé la parole révélée. I found the prepared word. Je l'ai connu mon identité. I recognize my identity. Et j'étais en Jésus. In the Lord Jesus. Maintenant je suis manifesté. And now I manifest it. Je suis manifesté maintenant. I manifest it now. Hallelujah. Oh,
Nous te disons merci ce matin. C'est toi qui nous as conduit, Seigneur. C'est toi qui nous as aidés. C'est toi qui nous as parlé, Seigneur. Merci que nous as choisi pour ce temps. C'est pour manifester le Fils. Manifester le parent. Nous te disons grand merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et le processus, Seigneur. Et le Seigneur. Et nous vivons éternellement avec toi, Jésus. Et nous sommes le Seigneur. Et nous sommes les Seigneurs. Hosanna, béni soit le roi. Hosanna, béni soit le roi. Béni soit le rocher de notre salut. Béni soit le rocher de notre salut. Et là, nous vivons éternellement avec toi. Nous vivons éternellement avec toi. Nous vivons éternellement avec toi. Nous aurons pendant mille ans. Restez louanges, et nous pouvons encore, quand on se bat, oh, avec moi. Oh, amen, amen, amen. Et je disais, levez tes mains vers le Seigneur. Chante Amen, 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 Amen. Oh, Amen. 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 Oh, Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Amen. Oh, sing praise God, praise God, oh, praise God. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Aidez-moi à chanter la dernière chanson s'il vous plaît. Oh tu le merveilleux.
quand je viens, tu vois ta face. Je suis mal éprouvé et à la croix, il est mort à ma place. Oh, pour moi, tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je vais te dire combien tu es merveilleux. Seigneur, fais-moi la grâce, de porter ton cœur, de porter ton cœur, oh, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de mon voyage, de t'entraîner. So beautiful, your face is all I see, and when your eyes are on me shine, your grace abounds. Bénis tes enfants, Seigneur. Bless your children, Lord. Les enfants qui t'ont écouté aujourd'hui. Your children are heard you. Que chacun soit béni, Seigneur. Everyone be blessed, Lord. Que cette présence de Dieu qui est ici. The God that is here. Nous accompagnons chacun, Seigneur. We go with every one of them, Lord. Quand même nous resterons dans la réunion. And we will stay in a meeting, Lord. Permettez-toi ta présence sur notre life. Laisse l'honneur, la gloire qui soit donnée. Et que Dieu, les enfants qui t'ont apporté quelque chose dans ta maison, que chaque personne qui connaîtra quelque chose soit bénie. Et la personne qui en manque aussi bénie la Seigneur. Et permet que nous soyons tous connectés à toi. Et que le souffle du Saint-Esprit, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi les acclamations. Lorraine, the kingdom, la puissance, the power, et la gloire, and the glory, au siècle des siècles, forever and ever. Say amen, amen, amen. Oh, I say amen, amen, amen. Oh, I say amen, amen. Oh, I say amen. I say amen, I say. Give a hand clap for the Lord Jesus Christ. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Will someone say glory to God? Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous dis que Dieu est ici. I'm telling you that God is here. Je peux sentir la présence du Seigneur. I can feel the presence of the Lord. Il est ici. He is here. Il est ici. Il est ici. Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous me provoquez, hein? On me provoque, hein? On me provoque. Oh oui, il y aura paix dans la vallée.
L'agneau saint,
Hallelujah. 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 Je sais que Jésus est content de vous. I know Jesus is happy with you. Jésus est content. Jesus is happy. Jésus est content. Jesus is happy. Jésus est content. Jesus is happy. Je crois. I believe. Que si tu as bien dire, if you can, je te l'a donné. God, whatever you ask for, God has given you. God has given it. He's given it to you. Hallelujah. 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 Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Je peux dire gloire à Dieu. He said, glory to God. Je peux dire merci, Seigneur. He said, thank you, Lord. Merci. La route du ciel, nouvelle odeur. On termine par là. Chaque jour je garde sur mon chemin. Bénis toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu. Relève-moi, lève-moi, Seigneur. Que je me tienne à la fois sur le plateau du ciel. Oh oui. Frank Cambodia, remercie le Seigneur Jésus. Frank Cambodia, thanks Lord Jesus. De lui avoir donné un autre travail. For I have given him another job. Nous avions prié. We prayed. Il voulait un autre travail. He wanted another job. Et Dieu le lui a donné. And God gave it to him. Jésus est vivant. Jesus is alive. Jésus est vivant. Jesus is alive. Jésus est vivant. Jesus is alive. Je me souviens ce jour-là quand j'ai prié pour lui. I remember that day when I prayed for him. Je lui ai dit va appliquer partout tu veux appliquer. I said go apply everywhere you want to apply. On t'appellera. They'll call you. On l'a appelé. And they called him. Que Dieu soit loué. The Lord be blessed. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Lord Jesus. Et nous disons que le pasteur ne sera plus ici le 14. Ce samedi, si le pasteur ne sera pas avec nous, Saturday, the pastor won't be with us. Le pasteur Baruti, je vais pasteur Baruti. Donc, il viendra le 14. He will be here on the 14th. Et après le culte, and after service, nous avons une petite réunion. We have a little meeting. Et je crois que ça ne prendra pas longtemps. I don't think it'll take very long. Avec tous les membres effectifs de l'église. With all the actual church members. Alors pour ceux-là qui n'avaient pas signé ce papier, for them that didn't sign the papers, je crois qu'il y en a toujours. I believe that we still have them. Vous pouvez les avoir par le diacre. You may have them by the deacons. Alors nous n'allons pas faire longtemps, je vous promets. It won't be long, I promise. Et donc c'est juste après le culte. So it's right after service. Et j'avais dit aux administrateurs d'avoir un petit rien pour tout le monde. I told the
Trustees have something for everyone. Et un petit sucré, même un pain. Maybe some drinks and some a little piece of bread. Je crois qu'ils doivent déjà le savoir et être prêts pour ça. I believe they have it and be ready for it. Et nous faisons un petit rappel pour la construction. And we want to remind you about construction. Et nos contributions mensuelles. And our monthly contributions. Je crois que nous en parlerons aussi dans notre réunion. We'll talk about it in the meeting too. Et nous souhaitons joyeux anniversaire à Jessica. We wish a happy birthday to Jessica. Alors son anniversaire c'était le 27. Her birthday was on the 27th. Alors joyeux anniversaire.